L'Ayurveda est une médecine traditionnelle originaire de l'Inde, qui a été révélée en Inde. Et donc ce n'est pas une médecine qui a un père en soi, mais qui en fait permet de reconnaître chacun d'entre nous qui on est. Donc cette médecine, ce n'est pas franchement une médecine, c'est plutôt une connaissance de soi. C'est une science qui permet de savoir qui on est, comment on fonctionne. Et donc, en termes de médecine, c'est plus de reconnaître la bonne santé quand tout va bien au niveau mental ou au niveau physique, comment ça se présente pour essayer de garder cette bonne santé. Et si jamais il y a un déséquilibre parce que par des aléas de la vie, on est tombé dans un déséquilibre ou dans un symptôme ou une maladie, essayer de chercher la cause. Donc en Ayurveda, on va plus s'intéresser à qu'est-ce qui a pu provoquer ce déséquilibre ou cette maladie. Donc on va regarder le corps dans son ensemble. On peut avoir un symptôme quelque part, mais en fait, ça peut être d'une autre origine. Donc on va traiter cette origine pour faire en sorte que ça ne revienne plus. On traite la racine. En venant de Vendée, c'est pas du tout une médecine aussi qui est commune à l'Occident. Ma petite voix me disait qu'il fallait que je parte de Vendée et que je cherche cette chose qu'on ne m'avait pas enseignée ici en France. Au moment où il fallait choisir des études supérieures, j'ai choisi avec le mot international, comme ça j'allais sortir de la France. Et oui, c'était bien, je savais que le voyage allait me permettre de trouver ça. Mais après plusieurs voyages répétitifs en Amérique du Sud, il n'y avait toujours pas j'avais toujours pas trouvé cette chose qui m'intéressait. Et donc, retour en Europe, travailler, mettre de l'argent de côté, repartir pour voyager jusqu'à mes 30 ans, où là je me suis dit, j'avais déjà commencé à percevoir parce que je travaillais. Mon dernier travail était dans un hôtel international aussi, enfin une chaîne internationale, d'accord, où là je m'étais dit aussi, si je travaille au niveau, enfin pour une multinationale, je pourrais aussi me déplacer d'un pays à l'autre et trouver du travail plus facilement. J'avais commencé à percevoir que c'était clair que le marketing n'était pas ce qui m'intéressait, il n'y avait pas de sens justement à ce que je faisais. Et j'avais commencé par un cours de massage, à apprendre une technique de massage. Et là, j'ai commencé à percevoir que c'était quelque chose qui pouvait m'ouvrir ce chemin et découvrir cette chose que je cherchais. Pendant un stage de massage thaï, il nous avait fait une petite introduction sur la médecine traditionnelle thaïlandaise, et dont le père pour eux est Shiva Komarpaj, et qui est, avec le nom qui indique, un nom très, très indien. Donc la manière qu'ils avaient en Thaïlande, au niveau traditionnel, de guérir le corps ou de l'observer et le comprendre, là j'ai senti que oui, j'étais sur la bonne route, qu'il fallait continuer dans ce sens-là. Donc après avoir terminé la formation, je suis revenue en Europe et à force de donner des massages, des thérapies, les gens ne viennent pas uniquement parce qu'ils ont besoin de détente. Souvent, après un massage, ils disent « oui, j'ai des problèmes digestifs, j'ai des troubles du sommeil, j'ai cette maladie, je suis stressée, j'ai besoin d'autres choses pour me détendre ». Et comme je n'avais pas de base médicale, je n'avais pas fait les études de médecine, eh bien il fallait que, comme je savais que c'était ce côté-là, cette médecine orientale qui m'intéressait, donc d'y aller.
Et lors d'un massage ayurvédique, d'un stage de massage ayurvédique en Inde, là on a eu une introduction d'un mois sur l'Ayurveda, et ça a vraiment été la révélation de voilà, la petite voix était heureuse, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis tout le temps. Donc après avoir travaillé pendant quelques années comme thérapeute, il y avait une université dans le nord de l'Inde, dans le Gujarat, qui accueille des étrangers pour faire la fac de médecine ayurvédique. Et j'ai envoyé mon inscription, j'étais acceptée et donc partie pour six ans d'études sur place. Donc une fois les études terminées, enfin elles n'étaient pas encore tout à fait terminées, la dernière année c'est une année d'internat dans un hôpital, dans les deux hôpitaux ayurvédiques de l'université. Et déjà tout au long de la formation, des études, d'un côté de la rue il y a la faculté de médecine ayurvédique avec deux hôpitaux ayurvédiques, et de l'autre côté de la rue l'hôpital ayurvédique avec la faculté de médecine allopathique, la faculté de médecine allopathique avec son hôpital aussi. Et donc pendant ces six ans aussi, le fait d'avoir la proximité de l'autre médecine en fonction des pathologies, des gens qui venaient et des diagnostics qu'ils avaient, on décidait si oui, on allait les traiter avec l'Ayurveda ou au contraire qu'ils aillent voir les confrères de l'autre côté à la médecine allopathique, donc la médecine occidentale comme on la connaît ici. Et donc, on faisait des échanges de patients. Eux, de leur côté, c'était la même chose. Si c'était un aspect chronique, une maladie chronique, ils nous envoyaient leurs patients et vice-versa. Nous, tout ce qui est urgence, quand il y a besoin d'une chirurgie, on n'a plus cette connaissance. Donc, voilà, on s'échangeait les patients en fonction des pathologies et des diagnostics. Donc déjà, de par la formation, on a eu cette possibilité d'observer nos limites dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut guérir, et aussi nos points forts, là où on est beaucoup plus, où on peut apporter vraiment un mieux ou voir guérir. Donc il y avait déjà ça en tête, de se rendre compte que deux médecines au moins sont complémentaires. La médecine allopathique, qui est plutôt une médecine chimique qui va traiter un symptôme là où il se manifeste et en essayant d'y remédier rapidement. La médecine allopathique aussi, c'est guérir le plus vite possible. Et surtout en Inde, beaucoup d'Indiens vont vers la médecine allopathique parce que beaucoup d'entre eux sont des personnes qui ont un travail journalier et s'ils ne travaillent pas une journée, ils ne sont pas payés. Donc beaucoup vont aller vers la médecine allopathique pour avoir un traitement chimique de choc rapide et pour pouvoir être performant et retourner au travail. Alors que ceux qui font une approche pour aller vers la médecine ayurvédique pour être guéris doivent faire confiance en leur propre force de guérison aussi. Donc déjà il y avait cet aspect de guérison rapide ou guérison qui va prendre du temps parce que c'est le corps qui doit prendre le dessus et son système immunitaire qui doit être stimulé pour recouvrer la santé. Donc vers la fin de l'internat, mon idée était soit de revenir en Europe ou à voir. Mais l'Europe, oui, m'intéressait, même si cette médecine n'était pas reconnue en tant que telle, mais au moins, ne serait-ce que par la nourriture. La nourriture, c'est le meilleur médicament, c'est le premier médicament qu'il soit. Donc aussi de pouvoir traiter les gens de par ce qu'ils mangent et comment ils le mangent. Donc même chose, je faisais confiance, attendre que la petite voix me dise « Eh bien, va là où bon te semble ». Et peu de temps avant de terminer l'internat, j'ai fait un rêve. Sur Auroville que j'avais connu quelques années auparavant. Et donc ça m'a paru étrange d'une part d'avoir ce rêve sur Auroville, et j'y suis allée passer quelques jours pour voir si en effet c'était le lieu qui allait m'accueillir, me recevoir pour pouvoir pratiquer l'Ayurveda. Et dès en arrivant, un médecin allopathique qui travaillait dans une structure, donc dans une clinique de santé intégrale,
m'a invité en disant qu'il cherchait un médecin ayurvédique et ce serait bien si je pouvais rejoindre l'équipe. Donc j'ai plié bagage dans le Gujarat quand j'ai terminé le diplôme et je suis partie dans le sud de l'Inde. J'allais fêter mes 40 ans et c'était en 2013. Et donc, à Auroville, c'est le retour à ce lieu. Quand j'y étais allée en 2004, la première fois où j'y étais allée, c'est une communauté internationale qui est rattachée, c'est un projet communautaire de personnes qui est rattaché à l'ashram de Sri Aurobindo et de Mère de Pondichéry. Un ashram, donc c'est un lieu d'enseignement, un lieu spirituel où justement on va essayer de prendre conscience de soi, de nous-mêmes et de prendre conscience de la situation où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de justement toujours être dans un état de conscience permanente, c'est vraiment ce qui correspond le mieux, et de privilégier un lieu qui est propice au calme, à la paix, pour justement développer cette qualité d'observation précise sur ce qu'il se passe. Donc c'était un lieu spirituel d'enseignement. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que l'humanité doit faire pour évoluer vers quelque chose de juste, quelque chose d'honnête, quelque chose de sincère, et au profond de nous-mêmes, de développer les qualités du cœur comme l'amour, la générosité, la persévérance, l'endurance, la bonté. Donc ces qualités aussi, quand on est dans un état d'esprit qui est calme, serein et qu'on jouit d'une bonne santé, on est beaucoup plus apte à agir de manière positive et adéquate, ou d'avoir une réaction aussi qui est tempérée et pas sous le joug d'une émotion. Donc il y a eu toute cette évolution ou ces enseignements qui étaient faits, et Mère a décidé, enfin avait la vision aussi, plutôt que de rester au niveau théorique, au niveau de la lecture, au niveau du partage des mots, il va falloir créer un lieu qui va permettre d'installer cette conscience et que la conscience soit développée dès le plus tendre âge, dès l'enfance, pour que les enfants aussi apprennent, soient bien éduqués et qu'ensuite ils aient une vie aussi qui soit plus adaptée à eux, enfin cette âme qui s'est incarnée sur Terre. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Quelle est sa mission sur Terre? Et justement de trouver un sens à ce qu'ils font. Donc tout était basé sur la philosophie. Beaucoup des écrits de Sri Aurobindo sont basés sur la philosophie védique, les Védas qui sont des textes ancestraux et qui sont l'explication du macrocosme ou du cosmos à l'explication du microcosme qui est là justement dans l'être humain. Et au niveau des textes, les textes de l'Ayurveda et les textes de Sri Aurobindo ou les textes des Védas sont similaires, c'est la même source, il y a une même résonance et qui est chaque être qui s'incarne, qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre? Et peu importe ce que la tradition, la culture, l'éducation, le milieu, l'environnement lui impose, parce qu'on pense que c'est ce qui est de juste, peut-être qu'à l'intérieur, il y a cette petite voix qui murmure et qui dirait « Non, moi je préférerais faire cette chose de cette manière. » Donc le fait d'avoir cet éveil de conscience est aussi pour soi, pour savoir s'écouter et savoir trouver ce qui nous correspond et ce qui est juste. Donc, arrivé à Auroville et à travailler dans de l'Ayurveda, d'une part, dans la clinique qui est la santé intégrale, le fait d'utiliser l'Ayurveda aussi comme outil pour se guérir,
par rapport à une médecine qui est plus focalisée sur un symptôme et traiter le symptôme, l'Ayurveda permet de se détacher du corps, de prendre un petit peu plus de distance et de l'observer dans son ensemble. Donc la santé intégrale veut dire que il s'est passé quelque chose dans un endroit, mais on va essayer de voir où est-ce qu'il y a eu un déséquilibre qui a pu, à la longue, provoquer une maladie quelque part. Et le fait d'avoir cette proximité médecine allopathique, médecine ayurvédique, ensemble pendant la formation, déjà montrait que quand il y a besoin d'un traitement de choc rapide, on sait qu'on peut utiliser l'allopathie, mais si la personne décide de se reprendre en main et de se dire « il m'est arrivé cette maladie, qu'est-ce qui a pu provoquer cette maladie ?» alors elle va se tourner vers les médecines occidentales, vers la médecine chinoise, vers la médecine orientale, vers la médecine chinoise, vers la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, ou toutes les pratiques du Japon, de Thaïlande. Donc ça, ces médecines-là ont vraiment le but d'abord de regarder l'ensemble. Et qui, petit à petit, arrive maintenant en Europe avec ce qu'on parle d'un symptôme psychosomatique. Donc maintenant, en Europe, on commence à voir que somatique, ça s'est manifesté dans le corps, mais il y a certainement une influence psychologique, psychique, qui fait que ensuite il y a eu manifestation dans le corps. Donc petit à petit aussi, au niveau de la médecine allopathique, il y a maintenant des résonances que, au niveau mental et au niveau corporel, les deux peuvent créer des déséquilibres. Déjà le fait d'avoir découvert l'Ayurveda et de m'être dit oh, « ça y est, c'est ce que je cherchais depuis tout le temps », c'était d'abord, dans un premier temps, pour moi, pour apprendre à me connaître et aussi pour savoir quoi utiliser quand si j'ai un symptôme, si j'ai un rhume ou quoi que ce soit, c'était pour pouvoir me guérir moi-même ou d'utiliser les remèdes de vieille grand-mère quand ça n'allait pas bien, d'utiliser un bouillon, une tisane, une plante. Donc c'était permettre d'avoir quelque chose de plus systématique qui est écrit aussi noir sur blanc. Quand il se passe ça dans le corps, il faut faire ça. Donc c'était très riche dans le sens où, ah, là maintenant, je pouvais reprendre responsabilité de ce qui m'était arrivé. Et quand je suis responsable de ce qui m'arrive, aussi que je suis consciente que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, l'Ayurveda me confirmait que quand tu fais ça, ça risque de créer le déséquilibre. Mais à la place, c'est mieux de faire telle chose ou telle chose. Donc d'abord, ça a été un cheminement plutôt individuel, personnel, pour pouvoir, moi, me comprendre mieux et me guérir. Et aussi me comprendre mieux au niveau psychologique, au niveau des émotions. Pourquoi il y avait une tendance une tendance à réagir sur certaines choses et à créer un groupe d'émotions. Et l'Ayurveda aussi explique clairement que si on est dans l'angoisse, l'anxiété, la peur, l'insécurité, il va y avoir trop d'air. Si on est dans l'irritation, la frustration, la colère, il va y avoir trop de feu. Si on est dans la tristesse, la léthargie, la confusion, la déprime, il va y avoir trop de terre. Donc la manière d'observer aussi ce qui se passe en nous redonne aussi la capacité de se rendre compte de ce qui n'a pas, ce qu'on a fait qui a pu provoquer ce genre d'émotion aussi. Donc c'était vraiment pour moi l'Ayurveda un outil de vie qui maintenant permet de me comprendre pourquoi je peux être irritée ou en colère, ou pourquoi je peux être anxieuse, ou pourquoi je peux être triste. Je me réapproprie ma santé ou mon déséquilibre. Après avoir fait ces 6 ans d'études, mon monde maintenant, je le vois en 3D, les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Donc, dès que je vois quelque chose qui se passe, une personne vient vers moi, soit pour un rendez-vous, ou alors pour un échange, ou je vois un animal, ou je vois
en ville les activités de chacun, le mouvement, la rapidité, à lire les nouvelles, les journaux, quelles sont les émotions aussi qui sont demandées, enfin qui sont titillées, qui peuvent être perturbées aussi par des flots d'informations qu'on reçoit par tous les sens. Quand je regarde la vie européenne, je vais regarder en fonction du lieu où je suis. Si je suis en ville, là c'est sûr qu'il y a une agitation, il y a une stimulation, il y a une hyperactivité qui se crée et qui va stimuler au niveau mental. Donc repérer que la vie occidentale, la vie en ville, est une vie qui est hyper stimulante. On va trouver difficilement un lieu de calme et de repos. Alors qu'on va en campagne, où on va à la mer, où on va dans des lieux qui sont proches de la nature, où là on va sentir que les sens sont beaucoup plus calmes, et donc les personnes vont agir de manière plus tranquille, plus douce, vont prendre leur temps, vont favoriser les échanges avec les gens, vont passer plus de temps aussi à s'occuper de leur milieu, peut-être du jardin. Donc le milieu dans lequel on vit va avoir énormément d'influence sur notre énergie, notre manière de réagir et d'être. Ce qui est important, c'est le retour sur soi et de comprendre ce qui s'est passé. Et là, voilà, l'Ayurveda peut aider parce que il y a tel symptôme à tel endroit qui s'est manifesté, ce symptôme, il va avoir une nature. Il va être soit qu'il y a eu trop d'air, soit il y a eu trop de feu, ou soit il y a eu trop de terre ou d'eau. Donc rien que le fait d'observer la nature de ce qui s'est manifesté va permettre de retracer l'origine dans le corps, où est-ce que ça s'est passé, et de se dire, bon alors, dans mes habitudes et dans ma nourriture, là j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Ou je suis dans un milieu malsain, où mes relations professionnelles, personnelles, familiales, ou avec les voisins me sont plutôt nocives, il faut changer. Donc à chaque fois, quand on va voir un praticien ayurvédique, le praticien ayurvédique va toujours redonner à la personne ce qui lui est arrivé, en lui conseillant de faire certaines choses. Alors que souvent, en médecine allopathique, en médecine occidentale, le patient va arriver, va déballer son symptôme et son mal-être et dire « Allez, vous vous en occupez ». Et là, oui, ça risque de venir de se répéter parce qu'on ne va pas considérer les autres facteurs qui ont pu provoquer ça. En Ayurveda, si on décide de se prendre en main, on va prendre l'Ayurveda comme outil pour la santé ou pour guérir. Si on n'a pas envie de se prendre en main, on dira « Oh non, ça n'a pas servi ». Donc il y a vraiment ce retour sur soi et d'avoir cette volonté de vouloir se guérir soi-même. On travaille toute l'année, on attend avec impatience les 3 semaines ou les 4 semaines de vacances en été pour décompresser, se ressourcer, se détendre, mais beaucoup vont à la montagne pour marcher, pour être aussi dans ce milieu qui est calmant, qui est ressourçant, qui permet aussi de se reconnecter avec le monde végétal, avec les paysages. On sent bien que c'est la nature qui nous calme et qui nous repose, qui nous ressource. Donc, plus on va être dans un mode de vie qui est stressant, stimulant, hyperactif, ou avec des objectifs, des objectifs à tenir, le système nerveux, l'énergie, elle s'épuise de ça. Elle ne se ressource pas du tout d'elle-même. Et là, maintenant, justement, on sent bien qu'au niveau mondial, il y a une prise de conscience de cette hyperactivité, de cette hyperstimulation, qu'il faut se poser. Énormément de cours de méditation qui se sont ouverts, qui sont proposés, des centres de méditation qui s'ouvrent toute l'année pour aller se ressourcer,
aller se reconnecter avec soi-même, mais se reconnecter aussi avec l'énergie de la terre, celle qui nous permet justement de se sentir posé, ancré, centré. Et quand on est dans cette énergie-là, on sent que ça va bien. Le corps est en pleine forme, l'esprit est clair, l'esprit est vif, il a des bonnes idées, il est joyeux, il rebondit facilement. Donc cette connexion avec la nature, avec même au niveau des goûts aussi. En Ayurveda, il y a 6 goûts qui permettent aussi de maintenir cette bonne santé. On sait pertinemment que quand on va manger du sucré, si on mange trop de sucré, il va y avoir de la lourdeur qui va se produire dans le corps. Si on mange du sel, l'apéritif en début de... Quand on prend des apéritifs, on va servir un apéritif avec du sel. Parce que dans les textes, il est dit que le sel est un ouvreur d'appétit. C'est ce qui va permettre, pour ceux qui n'ont pas d'appétit, de prendre un petit peu de sel ou un petit peu d'acide, donc du sucré. 10 minutes, un quart d'heure plus tard, le feu digestif est prêt à manger quelque chose. Donc de revenir à ces textes ancestraux, à ces connaissances orientales, nous permet, nous aussi, de redécouvrir des parcelles de choses qu'on aurait dû nous enseigner depuis tout petit. À goûter, à voir, à observer, à sentir, au niveau du nez, mais aussi à sentir, à percevoir au niveau énergétique, la chaleur, le froid, le doux, le rugueux. Donc tous ces qualificatifs, quand on commence à s'intéresser à ces cultures orientales, on revient dans notre milieu là, par exemple de la forêt, on sent l'humus, on sent l'odeur, et donc on sent d'un seul coup qu'on appartient à cette terre. Je suis vendéenne, je suis née à Sainte-Florence, à chaque fois que je reviens en France, même si j'ai décidé de ne pas vivre ici, à chaque fois que je reviens à Sainte-Florence, que je viens marcher dans cette forêt, il n'y a pas de meilleure ressource que le lieu où je suis née, parce que mes sens ici, je les sens calmes, posés, ancrés, enracinés.